Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, une petite vidéo pratique qui va vous aider à concevoir des petits allume-feu qui sont très pratiques. Très pratiques pour allumer le feu, qu'on soit en trek, parce qu'en trek, maintenant c'est l'automne, il faudra le soir commencer à allumer un feu pour pouvoir faire chauffer sa nourriture, mais aussi en survie, en randonnée, mais pas seulement, puisque même si vous avez un poêle à bois chez vous, ça vous aidera à l'allumer avec beaucoup plus de facilité que les allume-feu qui sont vendus dans le commerce et qui coûtent une fortune. Ces allume-feu ont pour avantage de ne pas tellement craindre la pluie ni le vent. Ils sont faciles à faire. Vous savez que lorsqu'on fait un trek, on doit être prévoyant, c'est-à-dire que en automne, comme c'est le cas maintenant, il va falloir assurément avoir avec soi des petits ustensiles qui vont faciliter la vie à l'extérieur. De quoi est-ce que nous allons avoir besoin pour faire ces allume-feu un petit peu particuliers? Eh bien, il faudra récupérer, si vous en avez déjà, des bâtons de glace. Vous voyez, ce sont des glaces à l'eau que j'ai mangées. Je les ai gardées et je m'en sers pour faire, parce que vous allez voir, nous allons le faire ensemble. Donc, j'utilise les bâtons de glace et j'utilise ensuite des chauffe-plats que j'avais récupérés au début quand je commençais à faire de la randonnée. Je pensais m'en servir et puis finalement, on s'en sert pratiquement pas. Donc, par contre, je vais les récupérer au niveau de la paraffine pour pouvoir ensuite m'en servir pour faire les allume-feu. Alors j'utilise aussi des restes de bougies, parce que quand je me sers de bougies, ça m'arrive, je garde tous les fonds de bougies, les fonds de chauffe-plat, les restes, je les mets dans quelque chose et ça me permet de pouvoir les réutiliser le cas échéant. Quand je vais à l'étranger aussi, il m'arrive d'acheter des pains de paraffine qui coûtent beaucoup moins cher là-bas évidemment. Le principe est assez simple, je pense que vous l'aurez compris. Je vais utiliser ce bâton de glace, vous pouvez utiliser un autre bâton de bois comme il vous est pratique évidemment, hein, mais je vais utiliser ce bâton de glace pour prolonger la durée de la flamme. Et cela en utilisant de la paraffine que je vais coller sur le bois grâce à du chiffon, grâce à du tissu que je vais imprégner. Nous allons le faire ensemble et vous allez pouvoir le réaliser aussi. La première partie de notre travail va consister à faire fondre d'abord la paraffine. Pour ça, je mets de l'eau dans une casserole, j'utilise un petit récipient en verre, et dans ce récipient, je vais y installer un certain nombre de chauffe-plats, en faisant bien attention, évidemment, de conserver la partie en aluminium qui permet de contenir la paraffine. Ensuite, une fois que j'en ai mis suffisamment dans mon récipient, je vais faire chauffer l'ensemble sur le poêle, sur le gaz, de telle sorte que la paraffine devienne totalement liquide. Pendant que la paraffine chauffe et fond dans la casserole, nous allons préparer les allume-feu. Alors pour ça, on va prendre chaque bâton et on va découper un petit morceau de chiffon, de telle sorte que le morceau de chiffon fasse l'entourage du petit bâton. Donc ici je le découpe, c'est approximatif, hein. Attention, hein. Ça n'a pas besoin d'être très très précis. Donc une fois que vous aurez découpé le petit bout, vous voyez, le petit bout doit envelopper le bâton. Ce que je fais, je prends une agrafeuse, je l'agrafe des deux côtés,
Ici, je fais pareil. En haut, en bas et au milieu, c'est-à-dire sur trois points. Voilà, en gros, mon allume-feu est préparé. Je vais pouvoir le terminer tout à l'heure. Donc, je vais en préparer plusieurs parce qu'évidemment, on les utilise assez régulièrement. Je les mets dans une espèce de petite pochette pour les mettre à l'abri, évidemment. Et en fonction de mon emploi, je les prends au fur et à mesure. Donc, je vais en préparer plusieurs. Une fois que la paraffine est liquide, c'est le cas, je vais, donc c'est la partie peut-être la plus délicate, pas tant que ça quand même, je vais tremper mon bâton dans la paraffine liquide, évidemment, avant que celle-ci ne refroidisse. Voilà, je mets tous mes bâtons dedans. Alors, il n'est pas nécessaire de mettre un chiffon qui va trop proche du bord, parce que vous verrez quand vous allez vous en servir, dès que la flamme arrive sans arriver au bout, déjà vous ne pourrez plus le tenir avec la main. Hein. Donc c'est pas nécessaire. Là, vous le laissez dedans s'imprégner. Pense que c'est déjà pas mal. Il va rester dans votre petit bocal, il va rester un petit peu de paraffine. Vous le garderez et je vous montrerai ce qu'on peut faire avec ce reste pour éviter évidemment de le jeter et qu'il ne se perde. J'ai fait 10 allumes-feu. Les voici, ils sont donc imprégnés de paraffine sur le chiffon. Si vous mettez plus de chiffon, ça durera peut-être un peu plus longtemps, mais ça, ce n'est pas sûr dans la réalité parce que la paraffine a tendance à couler en chauffant et le fait de mettre trop de paraffine, n'avantage pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut juste les laisser tremper dans le petit récipient à paraffine liquide, et ça suffit largement pour faire des allumes-feu qui durent vraiment très longtemps et dont la flamme est très 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 importante. Le prix de revient de ces allumes-feu, c'est très simple. Par exemple, des grosses allumettes pour allumer le feu reviennent à 10 centimes pièce. D'accord? Ces allumes-feu, je les ai fait à partir de chauffe-plat. Les 100 chauffe-plat, si vous regardez sur Cdiscount, ça vaut 5 euros. Un chauffe-plat revient à 3 fois rien du tout, hein. Donc, avec ces chauffe-plats, j'en ai utilisé 6 et le reste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'utilise en le mettant dans ces petits pots en verre dans lesquels je mets une mèche un peu plus importante et voyez ce que ça me fait. Ça me fait un petit luminaire assez sympa que j'utilise le soir pour donner de l'ambiance. En attendant, en trek, j'utilise donc mes allumes-feu, mais je les utilise aussi dans ma caravane pour allumer mon poêle. Alors vous allez voir comment. Quel genre de flamme ça fait? Voilà. Donc on va le laisser brûler. Voilà, la flamme va devenir un petit peu plus importante et grâce à cette flamme, vous allez voir que vous aurez aucun mal à allumer un feu, que ce soit le soir, lorsque vous êtes en trek, en randonnée, en survie, peu importe, quel que soit ce que vous avez besoin. Et l'avantage, vous allez voir, on va attendre un tout petit peu. L'avantage, c'est que cet allume-feu ne craint pas le vent. C'est-à-dire que même si je cherche à l'éteindre, en soufflant dessus, je ne l'éteindrai pas. Pour l'éteindre, il faut le mettre au sol et évidemment l'étouffer avec le pied. Voilà, la flamme n'est pas encore assez grande, mais. Voilà, ça vous donne une idée. Voilà, avec une flamme pareille, on peut à peu près tout faire. Bon, j'ai pensé que c'était intéressant de faire
cette vidéo pour vous montrer que parfois, avec des petites choses tout à fait anodines, on arrive à faire des ustensiles qui peuvent être très intéressants. Ça, c'est vraiment très pratique quand vous voulez allumer votre feu le soir. Même ça suffit largement pour faire assez de lumière. En plus, cet allume-feu dure relativement longtemps. Je me souviens pas à combien de temps, mais je sais qu'il dure vraiment assez longtemps. Je l'essaierai tout à l'heure, je le filmerai en accéléré pour que vous puissiez le constater. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas, je ne sais pas si je vous ai dit le prix de revient de cet allume-feu, c'est 1 centime, hein. Même pas tout à fait d'ailleurs, mais enfin on va dire 1 centime. Le reste, je l'ai utilisé pour faire ma grosse bougie là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle pourra vous être utile. Et quant à moi, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.